Me revoilà, j'ai nettoyé toute ma peau. J'ai pas nettoyé mon. J'ai enlevé le reste qui bah, le reste du masque. Voilà, qui va pas sécher. Alors, pour que ça aille mieux, je vais mettre ma crème pour le visage. Ah oui, par contre, je peux vous dire un truc. Ça, j'ai dit que je note sur 10. Je mets un 9. Je trouve qu'il est très bien quand tu l'appliques. C'est une pépite. Mais le truc, c'est que quand tu l'enlèves, et ben en fait, bah après, c'est peut-être moi. Hein, après, j'ai mis peut-être une grosse couche. Et quand tu mets une grosse couche, je pense que ça peut pas, tu peux pas enlever. Je pense qu'il faudrait mettre une fine couche. Je me gratte l'œil. Une fine couche pour que ça s'enlève complètement. Mais sinon, je valide ce masque peel-off. Je pose là. Alors, comme je vous dis, ensuite, je vais mettre crème pour le visage. Et c'est écrit Dreaming Man. Ah, c'est écrit en anglais. Mais... c'est écrit Made in USA. Ça vient des États-Unis. Et j'ai acheté chez NCB, ils sont moins chers. Alors, comme je vous dis, je vous ai mis de toute façon le prix du masque ici. Ou ici. N'importe où, je sais pas. Et celui-là, je vais mettre aussi le prix. Ici. Ou ici. Voilà. Petit, je vais tester la crème. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Un hydratant rosé des rêves. Ouh, pas mal ça. Oui, si j'en ai des débrouilles, c'est normal. C'est mon frère. Voilà. C'est parti, je vais mettre une crème un tout petit peu. Ah! Des fois, je suis blonde. Parce que j'ai pas vu. Parce que j'étais en train d'appuyer, je dis, mais pourquoi ça sort pas? C'est fermé. Comment voulez-vous que j'ouvre ça? Oui, mon frère, il est en train de jouer à la cosselle. On va remettre ça. Ah bien. Et voilà. Moi je l'ai pas mis, mais voilà, j'ai réussi à ouvrir. C'est facile de toute façon. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, je mets un tout petit peu. Oh, j'adore. On va un tout petit peu là. Et on frotte. Oh, elles sont tellement bon. On dirait que j'ai mis un masque. Vous voyez les masques de Sephora. Ça a le même parfum. J'adore. Oh, je l'ai pas mis assez. Bon, c'est pas grave. J'ai bien... Voilà, alors, je sais très bien, j'adore cette crème, je vais l'utiliser tout le temps. Plus ça sent tellement bon. Alors ça, je vais mettre un 10 sur 10. 10 sur 10 sur cette crème, puisque j'adore. De toute façon, ça c'est normal, il n'y aura que des bonnes notes. Voilà, alors ensuite, pour que ça, ça reste, pour que la crème elle reste, on va essayer le... brumisateur qui est brume visage ça se presse. Okay. Alors secouez avant d'utiliser, fermez les yeux et vaporisez sur l'ensemble du visage pour un coup de frais instantané. Ok, je vais lire par contre. Ça se trouve c'est, ah bah oui c'est écrit. Bon bah je vais lire. Alors c'est écrit, appliqué en massant sur une peau sèche. Une peau sèche, voilà.
Et propre, bah elle est propre, ma peau elle est propre. Utiliser matin et soir. Ouais bah je vais utiliser que le soir moi. Pas grave. Et maintenant on va lire ça. Le masque pile. Fabrico aux États-Unis, ok. Alors, appliquer une couche épaisse sur la peau, nettoyer en évitant les cheveux. Ouais, oh, j'en ai eu un petit peu sur les mèches, pas grave. C'est, de toute façon, c'est parti. Hein. Les yeux et les lèvres, laisser sécher, pardon, j'ai du mal avec les mots comme ça, pendant 20 à 30 minutes, puis décoller délicatement, utiliser une ou deux fois par semaine. En fait, là, de toute façon, je vais pas faire ça tous les jours. Voilà. En plus, au moins, elle explique qu'il faut faire une ou deux fois par semaine. Ouais, une ou deux fois par semaine. Parce que j'ai plein de masques aussi que j'ai acheté, mais que j'utilise pas. De Sephora, de Action. Voilà. Et puis, bah, le truc, c'est que je fais ça presque tous les jours. Alors que ça, bah, là, j'évite de faire un peu moins parce que depuis que j'en mets tout le temps, j'ai plein de boutons. Voilà. Alors maintenant, on va essayer ce spray que j'adore, que j'attendais tellement. Parce que sur YouTube, je regarde tout le temps les vidéos de Florentine Mills et j'adore. Alors, c'est écrit secouer avant d'utiliser. On secoue. Je pense que c'est assez. Hein. Je sais pas, je secoue autant. Ouais, bah là c'est bon, il y a de la mousse, hein, c'est bien vaporisé. Oh, vous brire. Oh, j'adore. Et apparemment, ça se spray maintenant. Ça se spray. Voilà. Alors, 3, 2, 1. Attends. J'ai l'air d'une gogole, mais je comprends pas. Fermez les yeux, vaporisez. Bah ouais, mais comment veux-tu, ça vaporise pas. Ça veut pas. Bien un ressort là, mais ça m'intrigue. Attends, je vais essayer quelque part. Mais non, mais c'est pas normal. Ah. Ah, il faut vraiment. Attends. C'est bon, j'ai réussi. Allez, c'est parti, on va essayer. C'est bon, j'ai réussi. Oh, c'est tout froid, c'est trop bien. Ah, ça. 10 sur 10. Oh, j'adore. Bon, j'avais un peu de mal au tout début, mais c'est 10 sur 10. Oh, j'adore, j'ai la peau toute fraîche. Mais la vidéo passe tellement. Qui reste? Un dernier produit. Bon ben, on va l'essayer. C'est le mascara. Parce que j'adore les mascaras. J'en mets tout le temps. Alors, on va lire ce que c'est écrit. Pour des cils qui semblent presque ou trop fournis pour être vrais, ce mascara mise sur des ingrédients à base végétale tels que la cire de rose ainsi qu'un pinceau tout en un qui soulève, allonge et volumise les cils. Il ne s'écaille pas, il ne bave pas, non vraiment. Mais bon, en fait, c'est un mascara comme tous les autres, mais il est un peu mieux apparemment. Je sais pas. On va l'essayer. Je vais prendre mon petit miroir. Ah, il est trop beau.
Comme je vous dis, je mets les notes, pas les notes, mais les prix à côté. Voilà. Oh, il est beau! Moi je vous montre, j'adore. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez très bien, mais j'espère que vous verrez bien. Je vais mettre mes mains comme ça, d'accord? Non. Avant, voilà, normal. Après, vous voyez quelque chose ou pas? Ou je pense c'est spécial pour cacher, mais je vois pas trop. Pourtant c'est bizarre, hein. C'est peut-être la caméra, mais bon. Sur le miroir, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Ok, on voit bien le noir. Ah, là vous voyez mieux là, non? Là. Pas de photo. Bonjour, petit miroir. Coucou. Alors, voilà, comme je vous dis, le beau mascara. Voilà. Bon, je vais mettre le côté aussi, hein, parce que sinon, c'est pas beau. Mais par contre, je peux te dire, le packaging, il est super bien. Ça, par exemple, le mascara, je pourrais l'emmener en vacances parce que j'adore. Bon, pour l'instant, je sais pas si je vais partir en vacances, hein. Avec le confinement, j'en sais rien. Oui, par contre, je suis gauchère. Si j'ouvre la bouche, c'est normal parce que c'est un tic. Quand je sais pas, quand je mets du mascara, je fais... Je sais pas si vous le faites, mais moi je le fais. Voilà. J'ai mis du mascara. Donc, je sais pas ce que vous voyez bien. Je sais pas. Bon, j'ai mis du mascara. Je sais pas ce qui. Si. Moi, en fait, quand je regarde dans mon miroir, j'en ai mis beaucoup. Mais je pense que. Bah, la caméra, je pense que vous verrez pas. Mais. C'est ouf. Un tout petit peu, mais en fait je pense que c'est un mascara discret, ça je vous le dis, c'est un mascara discret, à part si t'en mets beaucoup de couches, comme moi j'en mets beaucoup, parce que moi on le voit très bien. Voilà. Et voilà, le mascara, je l'adore. Alors je dis une note, la note. Non, je mettrai pas un 10. Je mettrai bien un 8. Ouais, un 7. Un 7. Je mets bien un 7. Un 7 ou un 8. Ouais, bah 7 et 8, voilà. Mais... Il est très bien. Comme je vous dis, vous pouvez bien, tout le monde peut l'utiliser. Hein. Même les... Bon, après, c'est plutôt une marque pour les ados.
des personnes comme moi, comme mon âge. Moi, j'ai 13 ans, alors. Voilà. Et je sais pas. Après, c'est peut-être. Tout le monde peut utiliser, hein. Après, peut-être pour les adultes. Pour des personnes. Mais après, j'ai entendu que cette marque, c'est plutôt une marque pour les enfants. Pas pour les enfants, mais pour des personnes comme moi, un peu ado, pré-ado, voilà. Vous comprenez? Voilà. J'allais dire, est-ce que la vidéo vous aura plu? Ouais, non, non, c'est pas vrai. Je vais pas vous dire ça, parce que après, on va tester le glace. Mais comme je vous dis, eh ben, je l'ai pas. Alors, si juste après vous me verrez avec un autre habit, un autre vêtement, ou les cheveux détachés, de toute façon vous me verrez les cheveux détachés. Par contre, juste pour vous dire un truc dans la vidéo, bah, là, après quand je continuerai, je remettrai de la crème, le spray et ça. Le mascara et le gloss. Je sais pas si je peux, je mettrai... Le gloss que j'ai acheté, je vais vous le montrer quelque part. Voilà. Alors, tout de suite, au gloss. Recoucou. Alors, comme je vous dis, eh ben aujourd'hui, on est le 29 avril. Ça, tout est normal. Hier, on était le 28. J'ai reçu mes produits Florence by Milt. Et aujourd'hui, dès le matin, quand je me réveille, ma mère me dit « Emma, t'as reçu un colis ?» Bah oui, et j'ai reçu mon gloss Florence by Mills. Je suis tellement contente. Ouais. Voilà. Alors, comme je vous dis, j'ai pas les mêmes habits. Ça, c'est normal. Là, je viens juste de sortir de la douche. Alors, comme, voilà, je viens de sortir de la douche. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais mettre déjà du gel. Non, pas déjà. Je vais pas mettre du gel maintenant. Je vais déjà mettre ma crème pour le visage. Voilà, la crème Florence by Milt. Et maintenant, bah, j'ai ça. Maintenant, je mets ma crème tous les jours. Hop. Je la pose au-dessus. Hein. Alors. Voilà. Alors maintenant, bah, je vais mettre... non, je vais mettre mon gel. Alors aujourd'hui, j'ai pris parce que j'en ai plein des gels. Hein. Je peux vous dire, si vous avez vu ma vidéo, j'en ai plein. Plus, j'en ai deux. Les Signastro. Alors aujourd'hui, je vais mettre le cancer, celui que j'ai eu hier. Hop. Ça pique. Pourquoi j'ai une peau arrachée? Ah, ça pique. Attendez, c'est bon. J'ai mis ça. J'ai mis mon gel pour les mains. Je vais mettre. Mais bon, je vais mettre du parfum. Alors, si vous connaissez pas le parfum, de toute façon, vous pouvez pas le trouver, hein, je pense. Ou vraiment, faut vraiment chercher les magasins. Alors, ça fait super longtemps que je l'ai. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Un parfum, comme je vous dis, ça se périme jamais. C'est le parfum Twilight. Comme vous savez. Comme vous saviez, peut-être pas. J'adore Twilight. Comme le nom de ma chaîne, Twilight Emma. Parce que j'adore Twilight. C'est ma passion. Pas ma passion, mais c'est mon film le préféré. Voilà. Et c'est écrit Immortel. Bon, si vous allez comprendre pourquoi Immortel, je dis rien. Si vous ne savez pas pourquoi c'est écrit Immortel... Il faut regarder les films. Voilà. Et en plus, il passe sur la 9 à la télé. Voilà. Bon, il y a déjà le 1 et le 2 qui est passé. Et lundi prochain, il y a le 3. Voilà. Ce n'est pas intéressant. On s'en fout. Bon, je vais en mettre quand même. J'en ai beaucoup pour que j'ai un bon. Végétal, comme ça. Je sais pas ce que vous faites, vous. Bon, voilà. J'ai oublié un truc. J'ai oublié mon miroir.
Bon bah c'est parti, je vais chercher mon miroir.